qué voy a negar mi amor secreto? Si se nota que te amo hasta en el viento. Ya no sé para qué digo lo que digo. Si me dices que no puedo estar contigo, ¿para qué yo lo repito y lo repito? Que te amo más de lo que había entendido. Tal parece para ti fui solo un juego, o quizá tan solo fui un bonito sueño. ¿Para qué voy a luchar contra la gente y seguir nadando contra la corriente? Más perdóname si ahora me contradigo, es que yo tan solo quiero estar contigo. Solo quiero estar contigo. ¿Y para qué no entiendo? ¿Para qué dejarte? Para luego salir corriendo a buscarte. ¿Para qué voy a decir que no te amo? Excuse-moi, Alejandra. C'est moi qui dois m'excuser. Pardonne-moi, je ne sais pas ce qui m'est arrivé. Enfin, si, je sais. Je me suis rappelé la façon dont tu m'embrassais, dont tu me touchais. Ça suffit, Alejandra, ça n'aurait pas dû arriver. Pardonne-moi, tu es ici le patron et... C'est que je ne peux pas l'éviter, Leonardo. Je t'en prie, Alejandra. Non, je suis seulement venu pour m'excuser. Jamais j'aurais pu penser que ça puisse arriver. Bon, j'espère que le juge agira avec sagesse et qu'il laissera cette criminelle en prison. Là où elle doit rester. Ah, c'est ce qu'il y a de mieux pour les deux familles. S'il te plaît, tu n'apprends jamais, maman. Tu ne changeras jamais. Je ne comprends pas pourquoi il tarde autant pour la délibération. C'est normal, Irène. Le juge doit considérer divers aspects de l'affaire. Il s'agit d'une condamnation pour assassinat. Oui, assassinat que ma sœur n'a jamais commis. Oui. Et qui l'a privé des plus belles années de sa vie. Oui, bon, mais... C'est pour ça qu'on est ici, non? Philippe, excuse-moi. Le verdict est déjà prêt. Nous pouvons y aller. Ok. Irène, quoi qu'il arrive là-dedans, ce que décidera le tribunal... Je veux que toi, tu restes près de Virginia. S'il te plaît. D'accord? Ben, Oriana et Léo m'avaient assuré qu'ils avaient l'argent, même que nous avons convenu avec le gars pour lui remettre. Et maintenant, il s'avère qu'il ne l'a pas, Oriana. Il sait très bien qu'on ne rigole pas avec ces gens. Mais comment est-ce possible, Georges? J'ai discuté avec ce type et il m'a assuré que son associé était pire que lui. Ce type, par le biais de ses relations, ferait n'importe quoi. Je n'aime pas ce type et ses embrouilles, Oriana, et tu le sais très bien. Léo m'a laissé ce problème sur les bras et il est reparti avec son papa, comme toujours. C'est ce type, Oriana, c'est ce George, type, mais qu'est-ce que je lui dis? Prends l'appel, parce qu'autrement ce sera pire. Prends l'appel, Georges. Allô? Je suis là à vous attendre. Ce qui se passe, c'est que mon ami Léo a eu un problème et... Et nous n'allons pas arriver à l'heure convenue pour vous remettre l'argent. On ne s'amuse pas avec moi. Alors tu vas dire à Léo que je lui donne un délai. Il devra me remettre l'argent cet après-midi à 4 heures. Dans un message, je lui indiquerai le lieu de la remise. Et il a plutôt intérêt à être à l'heure. C'est entendu. Ok, c'est entendu. Nous serons là-bas, monsieur, c'est sûr. Qu'est-ce qu'il a dit? Le type est furieux.
Le type est furieux, Yana. Il dit qu'il nous donne jusqu'à 4 heures comme délai, mais qu'est-ce qu'on va faire ? Calme-toi, on doit résoudre le problème. Mais à qui il a donné l'argent, Léo ? Je ne sais pas, je ne sais pas. Il avait dit à son frère Julio, mais j'en sais rien. Bien, écoute-moi, calme-toi. Si c'est le cas, on va aller voir Julio et nous lui expliquerons ce qui se passe. Georges, il doit absolument rendre cet argent à Léo et point barre. Je ne sais pas, Yana. Allons-y. Alors j'ai saisi l'argent à mon imbécile de frère. En plus, je l'ai laissé à un endroit facile à trouver. Et comme il ne peut rien dire, mon père, il n'a pas d'autre choix que de se taire. Et pourquoi il ne peut rien dire à ton père ? Ni à mon père, ni à personne. Parce qu'apparemment, cet argent est en quelque sorte un secret. Julio, écoute. Léo est ton frère, ok ? Nous sommes en train de parler d'une somme très importante. Nous pouvons avoir de très gros problèmes, d'énormes problèmes. Ok, ça va. C'est pas moi qui donne des problèmes à Léo. Il se les met tout seul, alors arrêtez de vous faire du souci. Et aidez-moi plutôt à convaincre Marie-Lucia. Non, je l'ai vue sortir et elle m'a dit qu'elle allait voir sa mère. Et moi qui pensais l'inviter au restaurant et payer avec les sous de Léo. C'est pas grave, j'aurai tout le temps. Chaque jour, elle me plaît davantage, cette fille. T'es sérieux ? Et le pari est toujours en jeu. Mais pourquoi est-ce que tu t'entêtes à ce que je continue à enquêter sur ce qu'a dit ma mère dans son sommeil ? Ton côté tête de mule me surprend de jour en jour. Écoute, découvrir la vérité, ce n'est pas un péché. Tu peux pas nier que c'est bien la recherche qui fait avancer le monde. Mais je pense pas qu'enquêter sur ma nièce morte changera le monde. Ni le monde, ni ma vie. Sandra, quand est-ce que tu vas comprendre que c'est une histoire très triste et que ça n'est pas bon de remuer le passé ? Bon, en quoi ma vie changerait si j'apprenais si c'était vrai ou un mensonge ? Oh, la vérité, c'est la vérité. C'est toujours bon à savoir, Marie-Lucia. Ah, et je peux faire quoi, moi ? Je sais pas, tu pourrais appeler l'ami de Virginia. Sandra, ça suffit. Je t'interdis formellement que tu me parles à nouveau de cet homme, plus jamais de ma vie, tu as bien entendu ? Mais si... Je ne veux rien savoir au sujet de cet homme ! Jeune fille ! Eh bien, vous êtes dans une clinique ? Marie-Lucia, vous pouvez me dire de quoi vous parlez ? Qui est cet homme que tu ne veux pas voir ? Citoyenne Virginia Gutiérrez, veuillez vous mettre debout. Après avoir étudié votre requête et votre dossier, ainsi que les recommandations des différents avocats et les témoignages des prisonnières, ce tribunal a pris une ferme décision. La Cour modifiera la peine d'emprisonnement de la présente accusée Virginia Gutiérrez en liberté conditionnelle. Vous devrez vous présenter éventuellement aux tribunaux et accomplir les règles et les conduites ici notifiées par vos avocats. La nouvelle sentence a pour effet immédiat. Dans l'immédiat ? Ça veut dire que je... Ça veut dire que tu es libre, Virginia ! Que tu es libre maintenant ! Maman, je me réjouis de te voir en meilleure santé et de te voir marcher. Oui, c'est vrai. C'est Loupé qui a insisté parce qu'elle craint les escarres. Oh, sacrée Trinidad, n'exagère pas. Nous devons scrupuleusement suivre les recommandations du médecin. Et rappelle-toi que tu ne dois pas t'angoisser pour rien. Tu as parlé trop tard parce que je suis déjà angoissée. Est-ce que tu peux m'expliquer, Marie-Lucia ? Vous parliez d'un homme, là, que tu ne veux pas voir. Homme ? Non, maman, non, j'étais en train de parler d'aucun homme. Ah, voilà. Donc maintenant, en plus d'être malade, une angoissée, une folle, je suis aussi sourde. J'ai entendu très clairement que vous étiez en train de vous disputer à cause d'un homme que tu ne voulais pas voir. Qui est cet homme ? Oui, c'est vrai, Madame Trinidad. Je vais vous dire toute la vérité. Ce qui arrive, c'est de ma faute. C'est de ma faute parce que je peux pas m'empêcher de toujours parler des Ferrandis à Marie-Lucia. Et c'est pas bien. Ah non, c'est très mal, oui. C'est très mal. Mais bon, Sandra, je vous dis tout le temps que ces jeunes hommes ne vous conviennent pas. Ce n'est bon pour personne. Ils peuvent vous faire du mal. Oh, c'est bon, ouais. C'est bon. Ça suffit, on va changer de sujet à présent, ok ? On ne doit pas oublier qu'elle ne doit pas s'énerver. Et vous, les filles, faites-moi le plaisir de vous comporter comme des adultes, ok ? Hein ? Rappelez-vous que c'est un jour très important pour la famille Gutiérrez. Et Trinidad a besoin de beaucoup de calme. Et ne discutez pas aussi fort, vous êtes dans une clinique. Ciao, maman. Ciao. C'est vrai, franchement. Partez-vous bien.
On a de l'argent pour un bon bout de temps et on peut le gaspiller comme on veut. Une belle somme. Alors on va commencer par faire des projets. Qu'est-ce que tu penses d'aller voir la Electric Rumba qui a lieu aux Caraïbes? Beaucoup, ça fait combien d'argent? Un beau montant. Et le plus drôle, c'est que Léo ne peut absolument rien dire. C'est un peu comme de l'argent libre d'impôts. C'est vrai que j'ai bien envie de faire un peu de tourisme. Et regarde qui vient par là. Salut vous deux, comment ça va? Et vous, qu'est-ce que vous faites par ici? Vous venez vous inscrire à l'université parce que... je vous avertis que vous n'avez pas encore fini votre année et que les conditions minimum, c'est de savoir lire. Ne fais pas l'intéressant. On est venu te chercher. Ah bon, et pourquoi? Ah, Léo vous a envoyé parce qu'il n'a pas le courage de m'affronter, c'est ça? Ton frère ne sait même pas qu'on est là. Nous sommes venus pour te convaincre de retourner l'argent que tu as dérobé à Léo. Il en a besoin pour pouvoir payer la dette qu'il a avec un type très dangereux. Non, ça suffit là. Moi, je n'ai jamais volé de l'argent à Léo. Alors arrêtez avec cette histoire. Écoute, Julio, tu vas m'excuser. Mais moi, vu comment je te connais, je sais bien que tu as saisi l'enveloppe avec l'argent. Enfin, tu dois rendre cette somme d'argent à Léo. Comprends que tout ceci n'est pas un jeu. Julio, franchement, ça ne te fait ni chaud ni froid que quelque chose de grave puisse arriver à ton frère. Enfin, la punition, c'est de rester ici, non? Léo, ce n'est pas une punition. Je t'ai fait venir ici parce que tu deviens incontrôlable et j'ai besoin de te parler, ok? J'ai toujours voulu discuter avec toi, mais tu ne me parles pas. Je ne suis pas d'humeur pour tes enfantillages. Dans cette entreprise, il y a des affaires très importantes que je dois gérer. Aussi, je vais les traiter en premier lieu et ensuite, nous allons discuter. Parce que j'ai des problèmes graves en ce moment. Par exemple, celui que vient de me créer Irène. Plus les problèmes de la maison. C'est comme s'il me poursuivait. Donc tu vas rester ici jusqu'à notre discussion. Assieds-toi là-bas. Eh bien moi, je vais pas rester ici. Et je vais te dire pourquoi. Arrête d'accuser Irène dans cette affaire, parce qu'elle n'a rien à voir. Je vais te dire la vérité. Oh, c'est pas vrai. J'arrive pas à le croire. Je suis enfin libre. Eh bien, tu peux le croire, Virginia. Tu connais maintenant les conditions imposées par le tribunal, hein? Bon, de toute manière, je pourrais t'expliquer plus tard. Le plus important aujourd'hui, c'est que tu sois libre. Enfin, nous avons gagné. Oh, merci à toi. Et aussi à toi, Irène. Oh, je ne sais pas comment vous payer tout ce que vous avez fait pour moi. Non, tu ne me dois rien. Ce qui importe, c'est ta liberté. Mais dis-moi, qu'est-ce que tu voudrais faire en premier lieu? Je vais d'abord aller voir maman et aussi aller voir ma petite sœur. Bon, Maria Lucia doit être avec Madame Trinidad en clinique, oui. Non? Je peux vous y emmener si vous le désirez. Alors, on y va. Eh bien, te voilà libre à nouveau, Virginia. Très bien. Faudrait qu'on célèbre ça tous ensemble. Ah, quel bonheur de se sentir libre, Irène. Oui, Virginia. Tu es libre. Et personne ne pourra nous séparer. Ah, ma petite sœur. Enfin, je ne suis plus enfermée dans ces quatre murs. Non, maintenant il faut vivre, Virginia. Tout effacer et tourner la page. Et commencer à zéro. Il y a des choses qu'on ne peut pas effacer, Felipe. Tant de douleurs. Tant de souffrances. Ah, oh, je me rappelle. Et tant d'injustices. Bon, dis-moi que l'horreur de la prison restera dans le passé. Il y a une vie merveilleuse qui t'attend, d'accord? Et bon, tu dois essayer de récupérer tout ce temps perdu. Non, Irène. Je ne pourrai jamais récupérer le temps perdu. Mais je te promets quelque chose. À partir d'aujourd'hui, je vais savourer chaque minute de ma vie. Très bien dit. C'est bien parlé, Virginia. On y va? Allez. Oui, allons-y. Non, tu ne peux pas me faire ça, mon Dieu. Non. La meurtrière de mon fils, libre. Ah, je ne peux pas le tolérer. Ah, savoir que d'une manière ou d'une autre, elle appartient à ma famille. Eh bien, dorénavant, tu devras t'y habituer, maman. Non, non, tu ne peux pas me demander ça, et encore moins, en ce moment. Ah. Non. C'est plus fort que moi. Je ne peux pas le tolérer. Je suis en train d'attendre, Léo. Donne-moi tes raisons pour me dire qu'Irène n'a rien fait de grave.
Eh bien, papa, je pense qu'elle n'est pas impliquée dans cette affaire, louche. Peut-être que cet argent était destiné à une personne. Tu vois, ce qui me dérange n'est pas qu'elle l'ait demandé cette somme d'argent ou cette quantité. Ce qui me dérange, c'est qu'elle l'ait fait volontairement en contournant les règles de cette entreprise sans me mettre au courant. Si tu restes sur la défensive, elle n'osera jamais se confesser à toi. Tu dis peut-être cela par rapport à ta propre expérience. Mon fils, je comprends tout à fait que vous aimiez Irène. Mais vous devez aussi comprendre que moi, je ne peux pas laisser passer ce genre de choses, encore moins en ce moment. Ce serait terrible pour notre relation. Je suis son mari, non? Oui, mais tu devrais l'écouter. Baisser d'un ton ta manière de l'interroger. C'est elle. Je vais t'écouter, je vais me calmer. J'espère que cela servira pour qu'elle me donne une raison logique pour comprendre pourquoi elle a fait ce qu'elle a fait. Allô? Comment ça s'est passé? Je suis trop heureuse, tu sais. Ma sœur est enfin libre. Felipe va nous emmener à la clinique pour qu'elle puisse voir notre maman. Savoir que tout s'est déroulé comme tu le souhaitais. Et bon, quand tu pourras, amène-la par ici ou amène-la à la maison pour la connaître. Eh bien, je pense que il vaudrait mieux attendre un peu qu'elle s'habitue à tant de liberté. Bien, c'est entendu. Mon amour, en réalité, je t'appelais aussi parce que je suis très soucieuse à propos de notre couple. Hier soir, je n'ai pas pu dormir. Je te rassure, profite de ta sœur, nous en reparlerons à la maison. J'en ai pour un moment, je te le promets. Je voulais aussi te dire que... Mon amour, je te fais pleinement confiance. Et ça me rend très triste que ça ne soit pas réciproque. Je t'ai déjà dit que toi et ma famille, vous êtes ma raison de vivre. Je le sais, et c'est pour ça que je souhaite que nous en parlions personnellement. Je t'aime. Mon amour, je vais te donner toutes les explications que tu veux. Je vais tout t'expliquer, tu verras que tout te sera très clair. Sincèrement, je suis ravi de t'entendre parler de cette manière. En ce moment, je suis avec Léo. Nous discutions en adulte. Je l'ai ramené ici parce que, curieusement, il s'est à nouveau disputé avec Julio. Je ne sais plus quoi faire. Calme-toi. Lui aussi a besoin d'être mis en confiance. Et j'aime beaucoup ce que tu dis, que vous parliez comme des adultes. Peut-être que c'est bien ça dont il a besoin. C'est ce que j'espère. Tu sais ce qui me vient à l'esprit? Pourquoi ne pas lui donner un emploi au sein de l'entreprise? Une responsabilité qui puisse l'intéresser, qui corresponde à ses études? Ça va lui faire du bien. Bien sûr. C'est une excellente idée. Comment n'y ai-je pas pensé? Comme à l'habitude, tu es perspicace. Eh bien, je vais m'en occuper là tout de suite. Tu dois rendre l'argent à Léo. C'est pas juste de le laisser s'angoisser parce qu'il n'a pas de quoi payer sa dette. Je vous ai déjà dit que je lui ai rien volé. Léo n'arrête pas de se mettre dans des problèmes et il me jette la faute dessus. Bon, et peut-être qu'après tout, il a gaspillé cet argent avec quelqu'un d'autre et toi, tu ne le sais pas. Tu sais que ça, ce n'est pas vrai. Tu veux seulement tourmenter Oriana pour qu'elle pense du mal de Léo. Écoute, la seule chose qu'on te demande, c'est de rendre l'argent à Léo. Je n'ai vraiment pas besoin de voler de l'argent à personne. Je suis né millionnaire. Et à vrai dire, je commence à en avoir marre de cet acharnement à vouloir me rendre coupable de Léo. Je ne suis pas responsable de son immaturité. Ton frère est peut-être immature, mais au moins il n'est pas comme toi. Et comment je suis, moi, selon toi? Tu es un vil menteur, un faux rejeton et un égoïste. Tu es ce qu'il y a de pire. Écoute, Julio, s'il arrive malheur à Léo, tu en seras le seul coupable. Et à moi aussi, il peut m'arriver malheur. Tu sais très bien que je suis mêlé à cette histoire. Alors cessez de faire des affaires avec des délinquants. Et apprenez à faire bien les choses. Excusez-moi, j'ai un cours. On y va. Avec des frères comme ça, on n'a pas besoin d'ennemis. Écoute, Sandra, pour cette fois, on l'a échappé belle. Mais sache que ce que tu as sorti comme excuse sur les Ferrandis ne m'a pas plu. Je t'ai déjà dit que je ne veux même pas penser à eux. Non, remercie-moi plutôt de t'avoir sorti du pétrin avec ta mère. Allez, t'en fais pas. De toute façon, elle les empêchera pas d'entrer dans ta vie. Et qu'est-ce qu'ils sont beaux. Moi, j'en serais ravie. Eh ben, je dirais que tes yeux et ton intuition féminine n'ont aucun contrôle de qualité. Ces deux-là envoient par-dessus tout leurs mauvaises intentions. Ah, pourquoi? Mais moi, j'adore les gens qui ont la classe. Même que le petit copain de Virginia me semble un bon... Non, Sandra, maintenant tu dépasses les bornes. On s'était mise d'accord qu'on n'allait pas parler de cet homme. Sandra, je sais pas comment t'expliquer, mais quand je parle avec lui, j'ai un sentiment de peur. Un sentiment très bizarre. Ah, non. Toi, t'es manie de voir le danger partout. Ça, c'est ta mère qui t'a mis toutes ces mauvaises idées dans la tête. T'es complètement parano. Non, je suis pas du tout paranoïaque. Sandra, je sais pas, mais cet homme n'est pas bon. Tu ne peux pas t'imaginer la discussion que je viens d'avoir avec Juan Pablo.
Il m'a dit des choses tellement horribles, jamais il m'avait traité comme ça, même dans nos plus virulentes disputes. Altaïr, s'il te plaît, votre mariage n'a jamais été un exemple d'amour et de comportement exemplaire. Alors tu n'as pas besoin de jouer les victimes avec moi. Eh bien, c'est pour ça que je le dis, parce que je suis fatiguée. Rodrigo, à quoi ça sert de rester en couple alors que ce n'est qu'une comédie? Écoute-moi, je suis prête à me séparer de Juan Pablo. Et une fois que le divorce sera prononcé, je serai une femme libre. Je vais pouvoir être tout à toi. Hé, Altaïr, j'ai l'impression que tu es en train de divaguer complètement. Non. Sérieusement. La seule chose de confus dans ma vie a été mon mariage. Mais maintenant, nous allons être ensemble. Tu m'entends? Sans problème, sans nous cacher. Voyons voir comment je vais t'expliquer ça. Toi et moi, nous avions une relation d'affaires. Et je te l'accorde de temps en temps, oui, des petits moments de plaisir aussi. Mais je ne veux aucun engagement, d'accord? Et tu me le dis comme ça? Et comment veux-tu que je te le dise? Tu es en train de parler un autre langage. Rodrigo, tu sais très bien que j'attendais de divorcer de Juan Pablo pour qu'on soit enfin ensemble tous les deux. Comment t'expliquer que si tu divorces avec ton idiot de mari, il n'y aura plus de relation d'affaires entre nous? Par conséquent, tu ne me seras d'aucune utilité. Je t'ai pas demandé du travail, papa, et encore moins ici. Qu'est-ce qui lui prend qu'elle recommande Rulio? C'est pas parce qu'Irène le dit. Mon fils, je t'en prie, réfléchis bien, comme ça tu serais indépendant. C'est intéressant parce que tu aurais une expérience professionnelle et tu commencerais à gagner ton propre argent. Oui, papa, mais c'est ton entreprise. Je peux avoir le poste que je veux. Tu ne peux pas penser de cette manière. Comment ferais-tu si tu veux aller dans une autre entreprise, occuper un poste à responsabilité? Tu as besoin d'expérience professionnelle. En plus, tu seras occupé et éloigné des problèmes. Excuse-moi, tu m'as fait appeler, Leonardo? Bon, je peux revenir tout à l'heure. Non, Alejandra, s'il te plaît, entre. Bonjour, mon petit. Bonjour. J'ai besoin de placer Léo dans un département précis, afin qu'il commence à avoir une expérience professionnelle. Je ne sais pas, quelque chose de facile, quelque chose en accord avec ses capacités. Oh, excuse-moi, Leonardo, mais j'ai l'impression de ne pas l'avoir vu grandir, et maintenant nous devons lui trouver un poste. Tu te rends compte? C'est comme ça. Si Léo veut être indépendant, il doit commencer par apprendre à bien gérer son temps et son argent. Par conséquent, je pense que tu pourras m'aider. Je veux que tu le supervises. Oui, compte sur moi. Très bien. Je reviens. Je le laisse entre tes mains. Eh bien, mon petit, tu as entendu ton papa? Il t'a laissé entre mes mains. Oh non, loupé. Je veux retourner chez moi, j'en ai marre de rester dans cette clinique. Oh, Trinidad, s'il te plaît, arrête un peu de te plaindre. Si tu es encore ici, c'est que les médecins considèrent que c'est nécessaire, tu comprends? Oh non. Un peu de patience, voyons. C'est épuisant, sincèrement. Ma fille, tu t'es enfin rappelée de moi, tu es venue voir ta maman. Parce que tu ne passes même pas un petit appel pour voir si je vais mieux ou non. Maman, s'il te plaît, arrête de râler. Parce qu'aujourd'hui, je t'apporte le bonheur. Maman! Mais c'est quoi? Maman! Enfin, je suis une femme libre, maman. Oh, je t'aime tellement. Oh mon Dieu! Mon Dieu! Ma Virginia! Ma fille! Oh mon Dieu! La Vierge et mon Seigneur ont fait réaliser ce miracle! Oh, maman! Ma Je ne peux pas le croire. La Vierge et mon Seigneur ont fait réaliser ce miracle de t'avoir ici en liberté. Oh, ma Virginia. Oui, maman. Maintenant, je serai toujours avec vous. Loupé, laissons-les un peu entre elles. Allons-y. Je ne peux pas le croire. Je ne peux pas le croire. J'ai toujours pensé que j'allais toujours te voir derrière ces barreaux et que la vie serait trop courte pour moi pour te voir un jour devant moi, enfin libre, ma fille. Ne dis pas ça, maman. Tu as encore toute une belle vie devant toi.
Ah. Et maintenant, je vais être tout le temps avec toi, maman. Oh, je n'arrive pas à le croire. Il faut que tu récupères tes forces. Oh, ma fille, je ne peux pas le croire. Je sais que je n'ai plus la santé. Les médecins ne me le disent pas et les autres non plus, mais maintenant, je dois prier pour vivre plus longtemps, pour voir mes filles ensemble et heureuses. Bien sûr que oui, maman, ce sera comme ça. Bien sûr que oui. Mes filles avec moi, enfin heureuses dans la vie. Parce que c'est ce que vous méritez, toi, Irène et ma Maria Lucia, tu sais. Tu sais que Maria Lucia est ma fille. C'est le cadeau que tu m'as offert. Oui, maman. Oh, Seigneur. Oh, Seigneur. Irène, ma chérie, je ne veux pas être indiscrète, mais dis-moi, sous quelles conditions ils ont accordé la liberté à Virginia? Pour les années d'emprisonnement qui lui restaient, elle bénéficie d'une liberté conditionnelle. C'est-à-dire qu'elle doit se présenter tous les mois au tribunal. Ah, oh, c'est bien, c'est déjà une bonne chose, non? Le plus important, c'est qu'elle soit chez elle, avec ta maman, oui. Et toi tout près. Bien qu'elle ne puisse pas sortir de la ville sans aviser les autorités, et elle doit avoir un travail stable. Ah, oh, c'est super, tout se passe bien. Virginia a toujours été une fille très bosseuse et courageuse, comme toi. En plus, elle adore son travail. Eh bien, en vérité, je ne me souviens pas beaucoup de Virginia avant son incarcération. J'étais encore très petite, et quand la tragédie est arrivée, eh bien, Maria Lucia était encore bébé. Irène, ma chérie, tu vas m'excuser, mais je ne suis pas comme ta maman. Et Maria Lucia était très déterminée pour découvrir la vérité sur la fille de Virginia. Quoi ? Eh bien oui, parce que l'autre soir, quand elle est restée avec ta maman qui était sous sédatif, elle a entendu parler, dans son sommeil, de quelque chose. Et Maria Lucia m'a questionnée. Et tu lui as répondu quoi ? Eh bien, à ce moment-là, je lui ai dit ce qui m'est passé par la tête, tu comprends ? Je lui ai dit que la fille de Virginia était morte, mais j'ai eu l'impression qu'elle n'était pas très convaincue. Loupé, mais tu es au courant de tout ? Oui, ta maman m'a tout raconté. Excuse-moi encore une fois, Irène, mais je pense que Maria Lucia a le droit de connaître la vérité. Je sais que c'est votre décision de famille. Très bien, je la respecte, mais je pense que ce serait mieux. Tu as bien fait de lui dire ce mensonge. Oui, ta maman m'avait dit que c'était pour le bien de Maria Lucia. Bon. C'est un secret de Virginia. Et nous devons toutes garder ce secret. C'est sa décision. Pour elle, il s'agit de vie ou de mort. Comment oses-tu me dire que tu m'as utilisée seulement pour assouvir ta soif de vengeance ? Altaïr, ne fais pas l'innocente parce que tu as fait exactement la même chose avec moi. Tu te rappelles ? Tu m'as utilisée pour agacer ton mari, pour lui faire passer des messages sur ses infidélités et son abandon aussi. Oui, mais je l'ai fait parce que j'ai pensé que notre histoire était importante à tes yeux et que je valais plus que n'importe quelle autre femme. Altaïr, laisse tomber ton mélodrame, d'accord ? Toi, tu oublies que je te connais, que je sais quand tu es en train de jouer la comédie. Arrête de te moquer, parce que je te parle très sérieusement. Et moi aussi, je suis en train de te parler très sérieusement. Et si tu veux un conseil, je vais t'en donner un gratis. Retourne avec cet idiot et retourne chez toi. Mais instaure des règles. Montre-lui que tu es la maîtresse de maison et que c'est toi qui commandes. Tu n'as donc pas compris que je ne veux plus être avec lui ? Ce que je veux, c'est être avec toi. Et toi, tu ne comprends pas que si tu n'es pas avec lui, si tu n'es pas proche des Ferrandis, tu ne m'intéresses pas. Et combien penses-tu toucher, hein ? Combien crois-tu que le tribunal va t'octroyer ? Quand ils t'accuseront d'infidélité, d'adultère, d'abandon conjugal ? Non. Non, non, parce qu'il ne peut rien prouver, il ne peut pas. Altaïr. Utilise tes ménages, mon amour, c'est pour ça que Dieu te l'a donné. Et maintenant, excuse-moi, mais sincèrement, j'ai des choses plus importantes à faire. Et je ne veux même pas arriver en retard d'une seule minute. D'accord ? Bonjour, Juan Pablo. Je pensais que j'allais trouver Carlos Ernesto ici. Non, il n'est pas là. Il est allé accompagner ta mère au tribunal. Ah, c'est vrai. J'avais oublié. Et bien entendu,
Ma maman en allait rater pour rien au monde le verdict. D'ailleurs, elle doit être très déprimée parce qu'ils ont libéré Virginia. Oh, ce n'est pas sûr que Carlos et Ernest reviennent. Et je crains aussi qu'Irène ne revienne pas non plus. Un jour comme aujourd'hui, où tout se complique. J'ai tellement de choses à faire. Tu m'excuseras, mais la question d'Irène se résout très rapidement. Tu n'as qu'à faire lever la sanction et point final. Ce n'est pas si facile. Les gens pourraient le voir comme si je privilégiais mon épouse, et ça serait outrepasser Alejandra et la discréditer devant tout le monde. Oui, je t'en prie. Nous connaissons tous Alejandra et ses manipulations. Tu n'es pas en train de me demander conseil. Mais moi, à ta place, je parierais sur Irène, qui après tout est ton épouse, comme tu viens de le dire. Et je trouve étrange qu'un type aussi famille que toi doute de ça. C'est que ça serait l'exposé. L'exposé ? Tu veux dire plus exposé comme vous l'avez fait en vous mariant ? Mon ami s'est déjà fait. Écoute, elle est ta femme et ton devoir à toi, c'est de la protéger absolument de tout. C'est moi qui te le dis. Je vais suivre tes conseils. Bon, alors il y a plusieurs postes que tu pourrais occuper. Alors dis-moi, quel genre de travail tu souhaites ? Eh bien, un dans lequel je puisse gagner beaucoup d'argent, et où je n'aurai rien à faire, et où je n'aurai jamais à venir. Un comme celui de mon père. Ah non, mon petit Léo, tu sais pas ce que tu dis. Ton papa travaille 20 heures par jour, tous les jours de l'année. C'est la pierre angulaire de cette société. Sans lui, cette compagnie ne serait pas la multinationale qu'elle est. Ah oui, attention, s'il manque un jour, l'entreprise fait faillite et le monde s'arrête. Nul n'est indispensable, même lui. Crois-moi que ton papa, lui, l'est. Maintenant, dis-moi en quoi je pourrais t'employer. Beaucoup de choses. Celles qui te passent et celles qui ne te passent pas par la tête aussi. Une chose, oui. Que ce soit divertissant. Ah, mon petit Léo. Je te ferai remarquer que les petits jeunes gens de ton âge, qui ne sont pas encore des hommes, ne sont pas mon genre. Je suis en train de parler travail, jeune homme. Dis-moi, en quoi je peux t'aider ? En quoi peux-tu être utile ? Écoute, Alejandra, tu sais très bien que je suis là à cause d'une punition de mon père, où son épouse l'a rejoint pour le soutenir. Sûrement qu'ils me feront faire un travail bien ennuyeux et humiliant. Léo, je voudrais être ton ami. Je ne vais pas permettre que quelqu'un t'humilie ou qu'il te fasse quoi que ce soit. Et si ça arrive, tu pourras venir me voir. Je veux être ton ami. Je veux que tu me fasses confiance. En toutes circonstances. Ah, Virginia, ma fille. Ah, c'est magnifique. C'est la première fois que je vois ta maman pleurer de joie, exprimer toute son émotion en te voyant en liberté. J'avais même pensé qu'elle avait séché de l'intérieur. Maman a beaucoup souffert. C'est pour ça qu'elle s'est mise cette carapace de femme angoissée. Oh, je suis tellement contente, c'est pas possible. Mais je dois me calmer un peu. T'imagines quand je vais voir Maria Lucia? Bon, si tu veux, je t'emmène à la maison. Je suppose que tu veux changer de tenue et te reposer un peu. Ah, bien sûr que oui. Mais avant, je dois faire quelque chose. C'est ce que j'ai promis que je ferai en sortant de la prison. Et je dois le faire toute seule, Irène. Vous inquiétez pas. Seule? Est-ce que tu en es sûre, Virginia? La ville a beaucoup changé durant toutes ces années. Irène a raison, Virginia. Il vaut mieux que tu ailles d'abord chez toi. Non, 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 ne vous faites pas de soucis. Je connais parfaitement le chemin pour aller là-bas. Virginia, je ne sais pas. Je n'aime pas me mêler de tes affaires, mais tu peux me dire où tu veux aller? Irène, c'est une promesse que j'ai faite et je veux la respecter. Et je dois y aller toute seule. Écoute, j'ai un peu d'argent et dès que j'ai terminé, je vais directement à la maison, d'accord? Ok? Bon, d'accord. Mais s'il te plaît, fais très attention. Et tu m'appelles dès que tu arrives à la maison. Bien sûr que oui, Irène. Écoute, j'y vais rapidement, j'accomplis ce que j'ai à faire. Et après, je retourne à la maison. En plus, je meurs d'envie de voir Maria Lucia. Ah, quel soulagement. Quel bonheur. Voilà, je pense que je t'ai trouvé le travail idéal. Je dois aller vérifier quelque chose au département du personnel. Attends-moi ici. Et ne te mets pas en mode séduction. Tu n'as aucun don dans ce domaine. Je reviens. Mm-hmm.
Allô? C'est presque l'heure. J'espère que tu seras à l'heure. Associé, écoute, justement, j'allais t'appeler. Ce qui se passe, c'est que je vais pas pouvoir venir. Mon papa m'a obligé à venir avec lui ce matin au bureau et je n'ai pas pu sortir d'ici. Non, je ne veux aucune excuse, associé. Parce que si tu n'es pas à l'heure fixée avec l'argent au complet, ta vie pourrait se compliquer. Ce ne sont pas des excuses. Je te jure, je vais te donner ton argent. Mais comprends-moi. Dis-moi à qui tu es en train de parler, Léo. Réponds-moi, Léo. Avec qui es-tu en train de parler? Avec personne, papa. Personne d'important. Tu ne serais pas en train de refaire des affaires avec ce type. Tu sais que je t'avais averti. Papa, calme-toi, ouais? Je t'explique tout à l'heure. Donne-moi ça. Écoute-moi, escroc. Tu as intérêt à laisser mon fils en paix, ou tu vas le regretter. Écoute-moi bien, mes affaires avec ton fils, je les réglerai d'une manière ou d'une autre. Bien que ça ne soit pas ton problème. Ne t'avise surtout pas de poser la main sur mon fils, c'est compris? Tu vas le regretter, je te dis. Le seul fait que tu l'aies menacé, c'est suffisant pour te faire poursuivre en justice. C'est un délit. Je te préviens, n'essaie pas de t'approcher de lui. Jamais. Je vais mettre cette affaire dans les mains de la police, compris? Fais-le ou peut-être que celui qui finira en prison, ça sera ton fils. C'est lui qui a une dette envers moi. Et je veux être remboursé de gré ou de force. Moi, je pense que... Je sais pas, tu devrais l'appeler. C'est bon. Maria Lucia, regarde! Celle qui est en train de sortir de la clinique, c'est pas ta sœur Virginia? Apparemment, elle est sortie de prison! Eh ben oui. Non, Irène m'a envoyé un message qu'ils allaient la libérer, mais sûrement qu'elle est venue rendre visite à maman. Non, c'est bon. Attends un petit moment. Tu trouves pas ça un peu bizarre qu'elle soit seule dans la rue? Sans Irène, et en plus avec cet air angoissé? Peut-être qu'Irène est en haut en train de parler avec maman ou avec les médecins. Qu'est-ce que j'en sais, moi? Peut-être qu'elle est à la maison pour se changer? Ou à l'église pour remercier notre Seigneur? Ou peut-être qu'elle a eu un rendez-vous important. Moi, je pense qu'on devrait la suivre. Oui, pour en savoir plus sur elle et ses mystères. Non, Sandra, je t'ai dit que peut-être elle se rend à la maison. Ou peut-être que non, Maria Lucia. Écoute, moi, je la trouve quand même très angoissée. Allez, viens, on va la suivre. Comme ça, on pourra avoir quelques explications sur les mystères qui, moi, personnellement, me paraissent étranges. Maman? Maman, s'il te plaît, arrête de pleurer. Je ne veux pas partir et te laisser comme ça. Maman, je sais que tu m'entends. Je dois aller au bureau, tu vas bien? Tu peux partir, tranquille, mon fils, va-t'en. Je ne serai jamais bien. Avec cette femme en liberté, je ne pourrai plus jamais aller bien. J'ai failli, mon fils. Non. Ce n'est pas vrai. Rien de ce qui est arrivé ne dépend de toi. Tu vas tomber malade, maman. Tu dois te reprendre. Comment veux-tu que je récupère alors que cette femme est en liberté? J'avais promis à mon fils sur sa tombe que cette femme ne sortirait... jamais en liberté, qu'elle allait pourrir là-bas, dans cette prison. Qu'elle allait sortir morte dans un cercueil. Et ce n'est pas le cas, ça ne l'est pas. Mais ça ne s'est pas passé comme ça. Ce n'est pas bien. Oh, j'ai failli. Elle, maman, était prisonnière dans ce lieu. Et toi aussi, tu étais prisonnière de ta soif de vengeance. Mais c'est du passé. J'ai failli à mon fils. J'ai failli à mon fils, j'ai failli. Je lui ai failli. Je lui ai failli. Pardonne-moi, Miguel, pardon. Pardon. Très clairement, je t'ai demandé d'arrêter définitivement de voir ce type, Léo. Tu n'étais pas obligé de répondre à son appel. Est-ce que tu continues toujours à le fréquenter? Non, pas du tout, papa. Précisément, c'est pour ça que j'ai pris son appel, parce que je voulais en finir avec ça. Et laisser les choses bien au clair. Mais toi, tu n'écoutes jamais ce que j'ai à te dire. Mon fils, ce type est un criminel. Un escroc qui se chargera de te faire tomber dans son piège, duquel tu ne pourras plus sortir. Parce que c'est tout ce qu'il sait faire.
Tu n'as pas été clair avec moi. Parce que tu ne l'as jamais permis. C'est toujours comme tu le dis, c'est toujours comme tu le penses. C'est bon, c'est bon. Nous allons nous calmer. Assieds-toi, s'il te plaît. Je veux que tu me dises tout. Je vais t'écouter. Eh bien, oui, papa, j'avais une affaire avec lui. Laquelle je regrette. Je sais bien que j'ai eu tort, mais... Maintenant, je lui dois beaucoup d'argent, vraiment beaucoup. C'est une grande somme d'argent. C'est pour ça que j'ai demandé de l'aide à Irène. Elle m'a obtenu l'argent pour que je puisse sortir complètement de cette affaire. Toi, tu as demandé de l'aide à Irène. Ce que tu veux dire, c'est que... C'est qu'Irène a demandé cet emprunt pour t'aider toi. Oui, papa. Elle n'a rien voulu te dire, simplement pour m'aider. C'est pour ça que je voulais pas que tu te disputes avec elle. Pardon, papa. Que me amas y después parece no importarte nada, pero para qué voy a dejar que pase el tiempo y no decirte que te amo y que por ti daría lo que aún no tengo. Solo quiero estar contigo. ¿Y para qué no entiendo? ¿Para qué dejarte? Para luego salir corriendo a buscarte. ¿Para qué voy a decir que no te amo?